Bienvenue à Ouvéa, l'île la plus proche du paradis. Avant de continuer cette visite, laissez-moi vous résumer mon expérience des 3 mois qui ont précédé mon voyage. Arrivé le 1er août 2017 avec mon sac à dos à Nouméa, dans l'unique objectif de visiter la Grande Terre, je n'avais aucun projet précis, aucun transport, aucun budget et aucun logement réservé. C'est avant tout ça le voyage. Heureusement, Julien, un ami d'enfance, m'attendait à l'aéroport de Nouméa, où il habitait depuis des années, à Pueblo, au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir passé un mois à visiter Pueblo et ses alentours en parallèle de son travail, je suis revenu à Nouméa dans l'unique objectif de louer une voiture qui était à mes yeux le moyen de transport le plus adapté. Je me suis procuré du matériel de camping et pendant 2 mois, j'ai sillonné la Nouvelle-Calédonie. Et logé en camping, je vous invite à visionner les vidéos précédentes. La boucle est bouclée. Après 2 mois de visite, Grand Nord, Grand Sud, Côte Ouest, Côte Est, il était temps d'aller voir les îles Loyauté. J'ai commencé ainsi par Ouvéa, puis par Maré, Lifou, où j'ai passé au total 31 jours sur les îles Loyauté, dont une semaine à Ouvéa. Bonne vidéo et bon voyage. Bienvenue à Ouvéa, le paradis sur Terre. Ouvéa est sans doute l'île Loyauté qui abrite le plus de plages en Nouvelle-Calédonie. Son lagon est extraordinaire. Des spots comme le pont de Mouly, les falaises de Lékini, les différents spots de snorkeling sont des petites pépites. C'est également un lieu chargé d'histoire pour la culture Kanaky. En 1988, Ouvéa est le théâtre d'un drame politique et humain où 19 Kanaks et 2 militaires furent tués. Il était à mes yeux important de rappeler l'histoire. L'île en forme de croissant s'étend sur environ 50 km du nord au sud. Il vous faudra environ 1 heure de voiture pour passer de différentes pointes. À Ouvéa, mon seul moyen de transport était le stop. Il est facile de se faire prendre en stop. Vous n'avez qu'à lever le pouce, faire un sourire aux locaux et c'est parti. Bonne vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvel épisode, je suis donc à Ouvéa, je me suis réveillé. Et en fait, j'ai aucun moyen de transport. Alors oui, ça marche le stop, mais j'aimerais louer un scooter. Ça, je serais beaucoup plus libre dans mes mouvements. Je gagnerais beaucoup plus de temps. Mais par contre, j'en sais rien si je peux louer un scooter. Donc là, je vais me renseigner. Sauf que le problème, c'est que la ville est à 10 km. Donc je vais devoir faire du stop jusqu'à la ville qui est à côté de l'aérodrome. Donc je mets la carte pour vous repérer. Et là, je suis au niveau du pont de Mouly, tout au sud de l'île d'Ouvéa. Alors l'île d'Ouvéa, elle fait environ 40 km. Elle est toute en longueur, mais pas en largeur. Allez, on va faire du stop, on va tenter l'aventure les amis. Donc au niveau du logement, je loge au niveau du camping du pont de Mouly, le camping Lékini si je dis pas de bêtises. Le prix de la... alors ça revient à 1000 francs par nuit, ce qui est équivalent à 6-7 euros, donc ce qui est pas très cher. Les infrastructures sont totalement moyennes, mais ça suffit largement pour passer une nuit ou quelques nuits en camping si vous êtes backpackers. Après, il y a des gîtes, il y a des hôtels, il y a l'hôtel Le Paradis pour ceux qui cherchent le luxe. Mais bon, l'objectif ici, c'est de voyager pour pas trop cher, d'avoir un budget très limité. Je vais voir si le scooter reste accessible. On n'est pas en Asie, parce que donc du coup, c'est pas du tout le paradis du scooter ici. Mais je pense que c'est un bon équilibre entre le stop et la voiture. Ça devrait pas être très compliqué de trouver des gens, parce qu'en fait, il n'y a qu'une route principale sur l'île. Donc j'espère que ça va payer, ça fait à peu près 5 minutes que je marche. J'ai attendu 5 minutes pour qu'il me dépose là, dans la ville principale de Ouvéa. Alors je vous mettrai sur la carte pour vous situer, mais je suis en plein centre de l'île. Et là, la plage, en fait, je comprends pourquoi maintenant je suis arrivé sur cette île. Car il y a une plage qui est juste magnifique, qui fait toute la longueur de l'île. Personne qui a le scooter, en fait il est dans une kermesse et là je suis en train de faire les courses, que j'ai aucune matière. Et là, donc là je suis en train de faire mes courses à la station totale, c'est le gros truc. C'est le gros truc d'Ouvéa, voilà. Donc ça coûte assez cher. Five,
Là, il y a une petite kermesse et je mange pour environ 3 euros. Ça, c'est un bon plan. 382. J'espère que je vais trouver du monde car j'ai encore 3h30 à pied si je le fais à la marche. Et voilà, je suis arrivé au camping finalement, j'ai galéré en gros une demi-heure. Il y a 4-5 véhicules qui étaient complets, ils m'ont fait signe. Franchement super sympa. Et là en fait il y a un local qui m'a parlé d'un vrai problème. Je pense que vous n'êtes pas forcément au courant. Bah, vous êtes forcément au courant du sujet, c'est le réchauffement climatique. En fait il m'expliquait que bah, lui il travaille dans les. C'est un paysagiste et qu'en gros bah, les eaux montent et que l'île va disparaître d'ici quelques dizaines d'années, enfin je sais pas exactement quand, mais cette île va disparaître, on se rend pas forcément compte. Bon les amis, donc je suis revenu au camping et je voulais juste vous montrer un truc qui était un peu choquant sur cette île, mais je pense que c'est un peu à l'image de la Calédonie. Je sais que j'en ai eu en gros pour plus de 20, quasiment 25 euros. Donc un sachet de pâtes, deux sachets de pâtes, il y a deux boîtes de gâteaux, une boîte de conserve d'haricots blancs, deux trucs de thon et du café, un paquet de chips et j'ai acheté aussi un ice. Voilà, en fait en Calédonie il faut savoir que la bouffe tu prends cher globalement, sauf quand tu es dans les grandes villes où tu peux acheter pas trop cher, c'est le Carrefour avec Anomea ou Leader Price sur la côte ouest, Leader Price étant présent, mais tu peux encore gratter sur les logements au niveau du prix, mais par contre au niveau de la bouffe c'est compliqué. Après tu as des marchés temporaires, faut te renseigner sur chaque ville. Très concrètement, tu l'as pu voir en vidéo, j'ai mangé pour 3 euros tout à l'heure. Mais globalement, la nourriture reste très chère en Calédonie. C'est un des principaux budgets lorsque tu vas venir voyager, surtout sur les îles. Donc là, je suis dans la cuisine du camping. Alors, il y a un minimum, hein. Il y a le frigo juste là. Il y a de quoi faire à la cuisine. Il y a une gazinière. Et il y a une petite table juste là. Voilà, la petite table. Donc c'est un camping très simple, 1000 francs la nuit. Franchement, c'est pas cher, la vue est exceptionnelle. Par contre, faut pas forcément s'attendre à un truc de haute qualité. Mais pour le vrai backpacker, c'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous mettre des commentaires si vous avez des recommandations sur l'île de Ouvéa. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis.